Yep tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait encore 2 semaines qu'on s'est pas vu, je suis vraiment désolé, mais en fait j'ai de moins en moins envie de faire de vidéos. Tout simplement parce que voilà, maintenant je fais de la compétition, donc je suis à fond dedans. Je fais que jouer, que jouer, que jouer, que jouer, que jouer pour améliorer de plus en plus. Donc c'est pour ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Pour une fois, j'ai des choses à dire dans cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai fait l'acquisition de la Xbox One, donc je suis sur Next Gen. Donc pour ceux qui sont sur Xbox One, vous pouvez m'ajouter, donc mon compte c'est Blacks, espace EU, je mettrai mon gamer tag donc, dans la description. Après, j'ai changé de team. Mais avant de vous parler ça, je vais d'abord vous présenter le gameplay parce que j'ai oublié de vous le présenter. Donc c'est du Modern Warfare 3, donc c'est une petite mope sur à la CR sur Xbox 360. J'étais accompagné de Stan, donc dédicace à toi mec. Une petite mope tranquille en 3-4 minutes, voilà, j'avais envie de vous le mettre. Vu que pas mal de gens, bah Ghost ça les saoule un peu, je me suis dit tiens il me reste. Et j'ai encore un gameplay en plus sur MW3. Je me suis dit pourquoi pas vous mettre du MW3 vu que ça changera un peu de Ghost tout simplement. En tout cas, mettez un like si et dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez que je mette plus de MW3. Même si je pense que durant ces prochains mois, je ne ferai que du Ghost sur Xbox One. Donc pourquoi? Car justement, je suis rentré dans une nouvelle team qui est sur Xbox One. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la Xbox One aussi surtout. Donc cette nouvelle team s'appelle la Exode ou la Paradise. On n'a pas trop trouvé de nom encore. La Exode, je pense qu'on va prendre. On va peut-être prochainement rentrer dans une structure, donc on recherche tout simplement une structure. Donc si parmi vous il y en a qui connaissent des structures sur Xbox One qui recrutent, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Donc je vais vous dire aussi pourquoi j'ai quitté mon ancienne team. Donc tout simplement j'ai quitté mon ancienne team par manque de temps, tout simplement parce qu'à la fin là ils étaient plus souvent connectés, ils étaient pas trop connectés. Et c'était chiant parce qu'en fait voilà faut être 4 pour TS, sinon ça sert à rien, puis si on prend un PU c'est pas bénéfique. Donc j'ai préféré quitter la team. Et en plus il y avait mon ancien mate, donc Nico, donc qui était justement sur Xbox One, donc je me suis dit je vais le rejoindre sur Xbox One. Et voilà. Donc c'est surtout le manque de temps qui m'a fait changer d'avis, donc et qui m'a fait changer de team tout simplement. Et voilà. En tout cas, j'espère que j'ai pas déçu les membres de Laytech, donc Mintor, Schizo et Tequila. Franchement, je vous aime bien, il n'y a pas de problème sur ça, mais comme je dis, voilà, il manque de temps et moi j'ai vraiment envie de jouer beaucoup plus. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est m'entraîner 6-7 heures de TS par jour. J'ai vraiment envie d'avoir un gros niveau. C'est pour ça que je joue beaucoup, tout simplement. Et j'espère qu'un jour, tout ce temps passé sur la console. Ce temps passé à s'entraîner avec une team, ça sera bénéfique, j'ai envie de dire. Donc voilà. En tout cas, la Xbox One, au moment où je vous commente la vidéo, je suis en train d'installer Ghost sur Xbox One, ça met 40 milliards d'années. Les jeux, ils font je sais pas combien de gigas, ça met trop de temps. Mais bon, je suis patient, hein, c'est bientôt fini là. Donc voilà. Je vais voir ce que ça donne. Après pour ce qui est de la manette, j'ai vu la manette, franchement c'est vraiment chaud parce que les sticks de la manette de Xbox One sont vraiment plus petits que ceux de la Xbox 360, pardon. C'est vraiment choquant, on dirait des billes et machin, c'est vraiment ultra petit. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Sinon la console je la trouve vraiment belle, elle est un peu plus grosse que la Xbox 360, mais je la trouve vraiment belle, elle est vraiment stylée avec la petite lumière blanche là pour l'allumer et l'éteindre, c'est vraiment stylé. Donc voilà, on arrive au terme de la vidéo. En tout cas j'espère que mon petit retour vous a fait plaisir. En tout cas comme j'ai dit, vous pouvez m'ajouter sur l'Xbox One, je mettrai mon gamer tag dans la description. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si la vidéo vous a plu. Et vous allez pouvoir voir que le kill de la Moab, donc là voilà c'est le dernier kill, j'ai complètement fait mon shoot. C'était au début en fait quand j'avais la 3-6, j'avais pas de shoot. Bon maintenant j'ai un peu plus de shoot. Donc voilà, j'obtiens Moab. C'était Blackboard HD, laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.